Salut, c'est Yoran. Es-tu en forme aujourd'hui? Je suis content de te retrouver pour la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de... Mais pourquoi est-ce que Jésus est venu? La pensée du jour se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés. Et en lui, il n'y a pas de péché. Oui, Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre pour régler le problème du péché en ce qui concerne l'humanité. Jésus, c'était, comme dit la Bible, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Extraordinaire. Le péché ne produit que la mort. La destruction. Mais en Jésus, tu peux bénéficier du pardon de tes péchés. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Imagine pouvoir être pardonné, quel que soit ce que tu as fait, grave ou moins grave, peu importe. En Jésus, tu n'as pas à supporter la pénalité de ce que tu as fait. Et s'il est capable de le faire, c'est parce que lui-même ne s'est pas laissé entraîner par l'aventure infernale du péché. Lui-même se trouve sans péché. Et c'est pour cette raison qu'il est capable de te venir en aide. Essaie d'imaginer quelques instants quelqu'un qui est en train de se noyer et qui est secouru par une autre personne qui, elle aussi, est en train de se noyer. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, je te propose de remercier Jésus, parce que c'est lui qui enlève la pénalité de tes péchés, justement parce que lui-même n'a pas péché. Merci, merci, merci pour les commentaires. Merci aussi pour les partages, les témoignages et les demandes de prière. On le fait, on avance ensemble, on s'encourage. Et puis, je suis content aussi que tu partages les pensées du jour. Je vois aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui écoutent et c'est bien. Rendez-vous dès demain pour la suite de notre chemin ensemble. Dans les pensées du jour.